Le lac Mezeya est l'une des rares zones humides étudiées de la région de Béjaïa. C'est un lac artificiel situé au centre de la ville. Ce plan d'eau s'étend sur une superficie de 2,5 hectares. Le lac Mezeya était à l'origine un gisement d'argile qui alimentait jusqu'à 1950 une briqueterie. À force de creuser pour prélever les matériaux, l'eau a fini par jaillir pour recouvrir la superficie du lac. Aujourd'hui, le lac Mezeya constitue un véritable écosystème lacustre, attirant de nombreux oiseaux d'eau, migrateurs et même sédentaires. Comme on dit, de l'eau jaillit la vie. Nous allons essayer de découvrir ensemble une facette de cette vie, représentée par les oiseaux d'eau. Près d'une quinzaine d'espèces aquatiques fréquentent ce lac urbain, surtout en hiver. La foulque macroule ou foulque noire, c'est l'oiseau le plus commun et le plus abondant au lac. Il appartient à la famille des Rallidés. On le reconnaît à son plumage noir, avec bec et plaque frontale blanc. C'est un oiseau assez sociable. La foulque noire fréquente lacs, rivières, zones de marée et les lagunes. Elle se nourrit d'herbes, de graines, de plantes aquatiques et aussi de mollusques, de vers et d'insectes. Cet oiseau est observé tout au long de l'année au lac Mezeya. Il est l'un des rares oiseaux qui peut nidifier dans cette étendue d'eau urbaine. Il niche au sol, ou sur l'eau, au milieu de la végétation. On peut aussi voir la poule d'eau, qui appartient à la même famille que la foulque noire. Le plumage est de couleur brun noir, à l'exception des plumes du dessous et d'une raie sur le flanc dont la couleur est blanche. Le bec et la plaque frontale cornée sont de couleur jaune et rouge. On trouve la poule d'eau dans les eaux douces, dont les bords sont garnis de végétation, dans les parcs des villes, les étangs, les marais et les rivières. La poule d'eau nage avec un mouvement quasi-mécanique de la tête et de la queue. C'est une espèce sédentaire au lac Mezeya. Deux groupes de canards fréquentent le lac Mezeya. Il s'agit des canards de surface et des canards plongeurs. Parmi les canards de surface, on retrouve le canard colvert. Il est reconnaissable à son couvert et à son collier blanc qui caractérise le mâle. La femelle, quant à elle, est plutôt brunâtre. Le canard colvert fréquente les zones palustres, les lacs, les rivières, les lagunes et les étangs. Il se nourrit surtout de matières végétales, mais aussi d'insectes, de mollusques, de crustacés et de vers. Ce canard est sédentaire au lac Mezeya. Il niche près de l'eau, à l'abri de la végétation. Les canetons apparaissent à partir de la fin avril. Le canard souché est un deuxième canard de surface. Il est reconnaissable à son bec en forme de spatule. La femelle du souché ressemble à la quinte du colvert. Le souché se retrouve sur les eaux douces et saumâtres à l'intérieur des terres et sur le littoral. Le canard souché est observé surtout en hiver au lac Mezeya. Ce petit oiseau plongeur n'est pas un canard, mais un grève castagneux. Il est reconnaissable à sa joue et à sa gorge marron roux, quand il est en plumage nuptial. En hiver, joue et gorge sont brun clair. Le grève se nourrit d'invertébrés, de substances végétales et de petits poissons. Le filigu nidoin est un canard plongeur, qu'on ne peut confondre. Le mâle
est le seul canard qui ait la tête et le cou entièrement marron roux et le dessus du corps gris. La femelle est brune devant et gris-brun à l'arrière du corps. Le midouin est observé sur les lacs, les régions palustres et les estuaires. Au lac Mesaya, le féligune midouin est un visiteur d'hiver. Il utilise cette étendue d'eau pour des activités de confort, repos, toilette et aussi comme site d'alimentation. Le féligule morillon est un autre canard plongeur. Il est le seul parmi la famille des anatidés qui possède une huppe noire, pendante et bien marquée. La femelle possède une huppe plus courte et un plumage brun. Le féligule morillon fréquente les mêmes habitats que le féligule midouin. Il se nourrit aussi bien de substances végétales que d'animaux. Ce féligule est présent surtout en hiver, entre décembre et mars. Dès le mois de septembre, des hordes de mouettes rieuses envahissent le lac urbain. On reconnaît les mouettes rieuses à leur bec et à leurs pattes rouges. Cet oiseau de mer plutôt côtier se retrouve en hiver à l'intérieur des terres, sur les ports et même dans les centres des villes. Ce visiteur aime bien passer ses journées à se reposer sur cette étendue d'eau. Deux plumages différents caractérisent l'espèce. Au début de l'hiver, la tête est blanche avec taches grises autour de l'œil. À l'approche du printemps, les individus semblent porter un capuchon brun chocolat qui annonce le départ imminent pour la migration prénuptiale. Le goéland le coffé est un autre oiseau de mer qui appartient à la même famille que les mouettes, c'est-à-dire celle des laridés, sauf qu'il est un peu plus grand et le bec et les pattes sont de couleur jaune. Les goélands le coffé, quand ils arrivent au lac, on les voit en train de se toiletter d'une drôle de manière. Apparemment, c'est un moyen efficace pour se débarrasser du sel marin et d'éventuelles impuretés liées à la fréquentation des dépotoirs et des décharges d'ordures ménagères de la région. Les jeunes leucophées, qu'on appelle aussi grisards, sont très présents au lac. Ils sont plutôt bruns, avec des taches sur tout leur plumage. Ils utilisent cette surface d'eau pour se reposer ou pour diverses activités de confort. Avant de quitter le lac, les goélands n'hésitent pas à se débarrasser des gouttelettes d'eau qui alourdissent leur plumage, avant de s'en aller rejoindre leur dortoir ou leur zone d'alimentation. Cet oiseau qui ressemble au goéland le coffé est un goéland brun. On le reconnaît à la couleur des ailes qui est d'un gris très foncé. Le héron cendré est aussi un visiteur d'hiver. Sa place préférée et la plateforme qui est située au centre du lac. Il peut rester des heures dans cette position. Les hérons garde-bœufs viennent souvent se reposer sur la végétation du bord du lac avant de rejoindre leur dortoir. Le grand cormoran est présent aussi surtout en hiver. Il utilise souvent la plateforme du lac pour faire sécher ses ailes.
Les oiseaux du lac Mesaya possèdent plusieurs façons pour se nourrir. Les uns s'alimentent à la surface, d'autres ont plongé, et certains utilisent des stratégies d'alimentation variées. De ce fait, plusieurs espèces peuvent cohabiter sans se concurrencer. Le colvert est un canard de surface. Il atteint sa nourriture par immersion de la tête ou basculement du corps. À la recherche de graines, de pousses, de bourgeons, mais aussi divers invertébrés aquatiques. Le canard souché est un autre canard de surface. Son gros bec, sous forme de spatule, fait qu'il peut filtrer la vase et peut donc exploiter le plancton en surface. La poule d'eau est assez éclectique dans sa recherche de nourriture. On peut la trouver à terre, à la recherche de graines ou de jeunes pousses. On peut aussi la trouver à la surface de l'eau. Le filigune milouin cherche sa nourriture plutôt en profondeur. Pour cela, il est obligé de plonger pour rechercher des racines, des feuilles, des semences, mais aussi des invertébrés, des amphibiens et de petits poissons. Le filigule morillon cherche aussi sa nourriture en profondeur. Il peut s'agir d'herbes, de plantes aquatiques, que d'invertébrés et de mollusques. Le grèbe castagneux est aussi un efficace oiseau plongeur, malgré sa masse réduite. La foulque macroule possède un comportement alimentaire varié. Elle peut se nourrir en surface. Elle peut aussi plonger. On peut aussi la retrouver à terre, à la recherche de végétaux ou de graines. Des fois, la cohabitation entre les oiseaux du lac va être difficile, surtout si l'homme intervient pour leur offrir de la nourriture. Même dans ce cas-là, va s'installer une sorte de hiérarchie. Et ce sont les oiseaux les plus robustes et les plus rapides qui auront gain de cause. Au sommet de cette hiérarchie s'installent les laridés, à l'exemple de la mouette rieuse.
fort que la moue à Trièves, il y a le goéland de côté. Le Lecoffé commence déjà à asseoir sa suprématie par des cris de menace que les autres oiseaux comprennent très bien. S'il arrive à prendre de la nourriture aux autres oiseaux, il faut qu'il fasse très attention à ses congénères qui l'attendent toujours au tournant. Le lac Mézéa constitue aujourd'hui un point de ralliement incontournable pour les riverains. Il joue un rôle éducatif, récréatif et de détente, et depuis quelques années, un site d'études pour les universitaires de la région. Dans le but de protéger et de maintenir la biodiversité de cette étendue d'eau, le lac Mézéa a été récemment intégré au parc national de Gouraya par décision du Wali. Un plan de gestion et de réhabilitation de ce site est en cours d'exécution.